tous, oula, bonjour à tous, je vais y arriver. On se retrouve pour le deuxième épisode de 5 épisodes en une semaine. C'est vrai que ça fait un peu bizarre à dire comme ça, donc on va dire que c'est la partie 2 de cette semaine. Donc en vrai c'est l'épisode 20, si je me trompe pas. Et vous allez vous demander pourquoi je suis ici, je sais pas, pour ceux qui regardent tout le let's play. Vous pourrez remarquer que derrière moi, il y a là, c'est la maison où on nous a donné la tête d'un corps qui était disparu, on avait battu des momies en dessous. En fait, tout simplement, je suis idiot. Voilà, je suis très très bête. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Donc, ce monsieur-là, Zadan, nous a donné une quête de sauver ses amis. Et moi, j'avais trouvé... Donc cette grotte, la grotte de Gorlag, donc il nous demandait d'aider ses amis dans la grotte de Gorlag. Grotte de Gorlag qui n'a aucun rapport avec la quête, du moins ce n'est pas l'entrée, puisque l'entrée est ici, la malédiction de Gorlag, la vraie quête. Un endroit où on était déjà passé, on avait tué sûrement des yernes ou des varnes ou quelque chose du genre ici. Et donc tout simplement ce n'était pas la vraie entrée, j'avais cherché une entrée et j'avais tout simplement mal vu. Et donc là, tout à l'heure, en refaisant un petit tour comme ça sur la carte pour voir. Normalement, j'avais dit qu'on ferait ça. Mais du coup, on le fera juste après, je pense. Puisque j'ai découvert ça, on va le faire maintenant. Et on va tout simplement continuer. Sinon, quoi d'autre? Rien, puisque je tourne l'épisode à la suite du numéro 19. Donc de la partie 1. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc, on va continuer, on va descendre ces longs escaliers qui nous mèneront à Gorlag, je suppose. Ces longs escaliers qui nous mèneront à Gorlag. Alors, je fais juste un petit tour, hein, au cas où il y aurait des trucs par là. Alors, on continue, on avance, on fait des petites fans de sprint, là, comme ça. Ah, même, t'as lâché un petit zoom arrière pour voir un peu plus la vision sur ce qui se passe. Là-haut, il y a un coffre. Là-bas, il y a un coffre. C'est des serrures simples. Donc, on va les faire. Oh, bah oui. Clairement. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Qu'y a-t-il dedans? Bon, pas grand-chose d'important. On va aller chercher le coffre en haut avec un levier, d'ailleurs. Ah, le levier qui m'a ouvert la porte là-bas. Intéressant. Voilà. Donc on récupère tout ça, puis on va avancer. Donc voilà, je suis tout simplement une personne très idiote qui n'avait absolument pas vu. Et j'ai juste trouvé un journal. Qu'est-ce que c'est? Eh ben... Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Moqué. Comme vous avez pu le voir dans le précédent épisode, je vais vous expliquer vite fait, mais voilà, je vous avais promis un jour de faire un morceau bien, perfect. Je l'ai fait, à peu près. Et je me suis dit, est-ce que à chaque épisode, je ne referai pas la musique? Pour changer un peu l'intro, je vais attendre avant d'avancer. Je ne ferai pas la musique, mais avec d'autres instruments. Sauf que les autres instruments sont juste impossibles. La synchronisation des doigts, en fait, les instruments se jouent avec AZ de R. Et des fois, il faut faire AZ en continu, puis il y a des points en R, puis ça change. Puis en fait, j'ai juste pas la synchronisation, j'ai juste pas les... J'ai pas l'agilité pour le faire. Qui est là? Vous aurez le droit qu'à une seule flûte. C'est tout. Je ne vous veux aucun mal, je cherche un groupe d'hommes qui se dirigeait vers ces mines. Sacre bleu, ce n'est pas une légende. Gorlag, vous allez bien? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Sacre bleu, ce n'est pas une légende. Gorlag? Je fais genre, je sais tout. Ça. En tireront-ils jamais de leçons? Ils? Les soldats,
J'ai bien peur que vous ne puissiez pas quitter cet endroit. Je ne suis pas vraiment le prisonnier idéal. Ouais, effectivement, c'est dommage, je suis pas le mec qu'il fallait vexer. Et bim, Gorlag, mange ça, voilà. Très bien. Ben, j'ai tué Gorlag. Comme ça, ben, y a plus de malédiction. Gorlag is dead. Et du coup, je vais juste voir, parce que je suis où? Je suis ici, et nous, on est arrivé par là. Je sais pas si vous vous rappelez. Ça, c'est ce que j'ai visité tout à l'heure, d'ailleurs. Pour les écailles de dragon, ça, c'est... Je me rappelle plus. Et ça, nous, on est arrivé par là. Donc, nous, on avait visité... Nous, on était rentré par là, la grotte de Gorlag. Et en fait, il fallait rentrer par l'autre grotte. Donc, j'avais bien dit qu'il y avait une autre entrée. Tout simplement, on va récupérer Gorlag. Ce qu'il a sur lui, une clé. Donc, une clé qui nous permettra directement de... Je suppose déjà de... Voilà, donc nous on est arrivé par cette entrée là. On est arrivé par cette entrée là. Et on va aller sauver les soldats qui sont ici. Les soldats qui sont... Qui sont vivants. C'est génial ça. Que de réussite. Enfin les soldats. Il est... parti. Il est parti. Comment vous appelez-vous ? Arlef, comment m'avez-vous trouvé ? Le capitaine m'a envoyé. Que les dieux soient loués. Pouvons-nous partir ? Où sont les autres ? Ouais, j'avoue que... Parti ! Il y avait d'autres créatures dans la mine. Des fourmis, les contrôlaient. Et comment l'avez-vous tué ? C'est une longue histoire. Je vais vous ramener chez vous. Très bien. Bon, ils sont tous morts. Sortez Arlef de la grotte, mais... Ah si, il me suit. Nice. Donc c'est cool, on va sortir de là. J'ai l'impression qu'il est bloqué. Bon, c'est pas grave, je pense qu'il va arriver. On va voir. Hop. Suivez Arlef jusqu'au camp, mais t'inquiète pas mon gars, je sais où est le camp. Je te trace moi. Du coup, voilà, hein, on a pu découvrir que j'étais idiot, on a sauvé les soldats qui restaient. Il n'y avait pas des escaliers ici, hein. Très bien. Voilà, il arrive. On va l'attendre, hein, quand même. Hop, hop, hop. Dans la tente de... Arlef ! Où sont les autres ? Nous avons été attaqués, capitaine. Oh, il est affreux, ce mec. Une créature, dans les grottes. Je pense qu'il s'agit de Gorlag. Reprends-toi ! Gorlag est un mythe, une légende, rien de plus ! En tout cas, cette créature était capable de communiquer avec les fourmis. Nous n'avons rien pu faire. Et les autres ? Ils sont morts. Mais Gorlag, enfin la créature, elle m'a épargné. Si vous n'aviez pas envoyé quelqu'un à mon secours... Tu es sain et sauf. Retourne auprès de ta famille et va te reposer un peu. Tu l'as bien mérité. Vous les avez trouvés ? Pas vraiment la même chose que de tuer un empereur, mais j'apprécie néanmoins votre geste. Ce n'est rien. J'avoue. Peut-être pour certains. Je vous aiderai comme je le peux, même si je préférerais vous en dissuader. Et ouais, mais bon, comment entre-t-on dans la comment tour ? Comment entre-t-on dans la tour ? Il n'y a qu'un moyen ! Allez, qui plusieurs mines et tunnels sont connectés sous la tour. Ils vous amèneront jusqu'à l'intérieur. Il est facile de se perdre là-dedans. Vous verrez assez d'os pour vous dissuader d'aller plus loin. Où puis-je trouver les tunnels ? L'entrée des mines est cachée. Je ne l'aurais jamais trouvée sans Dathan. Ce nom revient sans cesse. En fait, c'est Maître Dathan. Un mage à part entière, mais très différent des autres. La plupart des mages sont du genre à fermer les yeux lorsqu'ils manient une arme. Pas lui.
Si vous voulez trouver l'entrée, le mieux est de trouver Dathan. D'accord. Il faut que je trouve Dathan. Alors, qu'est-ce qui vous est passé ? Qu'est-ce qui vous est passé ? Tout le monde semble être effrayé. Rien que d'en parler. Donc, Gorlag. Gorlag. Encore Gorlag ? Vous voulez que je regarde sous votre lit avant de vous coucher ce soir ? Il était dans les mines. Le mage ? Okay. Ou le monstre ? L'un et l'autre. Vas-y, on s'en fiche, on passe. Merci pour votre aide, capitaine. Voilà, on va partir, tout simplement. Je suis toujours content d'aider un comparse. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à y aller ? Tout le monde semblait être effrayé à rien que d'en parler. C'est exactement pour cela que j'y suis allé. J'étais jeune et stupide, et j'avais besoin de m'amuser. J'aurais aimé que ce soit une histoire plus glorieuse, au moins qu'elle soit vraie. Je voulais tuer des monstres. Trouver un trésor. Vous voyez le genre ? On dirait que vous avez changé d'avis. J'ai trouvé que se faire manger par des monstres est une chose qu'on ne vit qu'une fois. Dathan m'a sorti de là. Je n'étais pas assez sage pour prendre cette décision seul. Et je ne le suis toujours pas. Je suis simplement passé des monstres aux tyrans et aux soldats. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Ah, je suis content de voir qu'il y a encore quelques fous dans ce monde. Avant de partir, une autre mission. Je paierai celle-ci, bien sûr. Bah vas-y. Oh, le rire, quoi. À quoi pensez-vous ? J'ai découvert que l'un de mes hommes travaillait contre moi. Quelqu'un ici ? Au camp ? Un homme appelé Imran. Je comptais sur lui pour se charger de choses plus délicates. Il peut pas s'en occuper, tu sais. Mais si ce que j'ai entendu est vrai, il pourrait utiliser ses secrets contre moi. Je ne peux pas prendre ce risque. Comment voulez-vous que je règle ça ? À vous. Discrètement. Considérez la chose comme faite. Venez me voir lorsque vous aurez terminé. Donc, on va tuer un mec au camp et puis après on va continuer ou on va faire derrière cette porte peut-être. Je pense qu'on va faire derrière cette porte, on va se réserver l'objectif pour la prochaine fois. Le reste, je crois que c'était où là ? C'est ça. Dans cette maison, donc on va buter le mec. Après on viendra le voir, il va nous payer et puis on ira faire derrière cette porte. Il m'a dit que c'était là que je devais rentrer, donc on va y aller. On va sneak. On va essayer de faire ça en mode... Il a dit, faites ça discrètement. Donc on va faire ça. Merde, sa mère. Alors, si j'arrive à le tuer de là... Oh putain. Bon, ça c'était de la discrétion. Okay, très bien, il a rien sur lui. Son coffre, c'est la merde. On va faire tous ses meubles, hein, le temps qu'on y est. Celui-là, je pense même pas pouvoir y arriver. Si, c'est bon. En fait, je crois que c'est juste les serrures maîtres, j'y arrive pas, mais tout le reste, ça a l'air d'aller. Robustuff en plus, pas dégueulasse. Genre là, c'est remettre, je pense pas que je pourrais. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être que je peux. Ah non, ouais. C'est là mon. Alors, je peux le faire, je pense. En fait, tout dépend comment sont situés les points sur les mètres. Si je peux en avoir deux de suite, mais qu'ils soient pas trop non plus collés, que ça soit pas trop compliqué à voir, je pense que je peux. Sinon les autres c'est dur. Là je peux l'avoir facilement. Sauf si je fail bien sûr. Donc on va retenter. Hop, 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 hop. Oh ! Sérieux, j'ai appuyé. Comment se faire avoir par un jeu. Très bien. Donc il y avait aussi des coffres en bas. Je sais que c'est pas très intéressant ça, mais pour avoir du stuff c'est le meilleur moyen. Serrure maître, on va pas la faire. Ici j'ai un
un coffre déjà ouvert avec lettre à une. Je ne sais pas ce que c'est. Là, j'ai des popos et je suis sorti. Bref, c'est pas grave. On va laisser le dernier. En stuff, pantalon, j'ai de la merde. Ça, c'est bof. Le tissu, c'est très important. Pour le moment, pas trop, mais plus tard. Je le sentirai bien. Ça, on va supprimer. Ça, on va casser. Et j'ai eu les lettres, là, chelou. Je voulais vous remercier pour ces deux jours fantastiques. J'ai passé des moments encore plus formidables que leur chère une. Ok. Bon, rien de très grave. C'est juste une chérie, une copine. Voilà, ils ont passé des vacances ensemble. À mon avis, elle a pas du tout kiffé ça, donc du coup, elle a plus jamais voulu le revoir. Oui. Et il s'est pris un vent. Vous n'avez pas, sacrebleu ! J'aurais dû m'en charger moi-même. Eh bien, oui. Je suppose que j'aurais dû m'en charger personnellement. Voici les auras promis. Quoi ? Non. À moins que ce soit pas une chérie, mais que ce soit lui. Alors là, j'avoue que c'est plutôt drôle. Oh putain. Ah, si c'était lui, alors là, clairement. Je rigole, quoi. Je suis pas sûr, mais sa réaction... Je sais pas s'il aurait eu la même réaction si j'avais... Si j'avais pas ouvert les lettres. Bienvenue, monsieur. Bienvenue dans mon magasin. Je suis un peu deg de pas savoir si... la réaction était fait exprès. Je prends 2 secondes pour vendre ça. J'ai toujours... Je pense qu'elle me servira à un moment donné, mais pour le moment, endurance, on s'en fiche, ça c'est toujours potion de force. C'est vrai que pour le moment, les potions de force, je les utilise pas, mais. Les lettres, on va les vendre, le journal, il va les servir, il a laissé passer ça, je vais le garder. Les instruments, bon, on va les garder. Hein. Ça, on va vendre. Et ça, j'en ai encore. On va vendre ça vite fait, et puis après, on va aller faire derrière cette porte. Quitte à avoir la clé, si on peut avoir un trésor. Si on peut avoir un trésor un peu intéressant, ben. Je trouve que j'aurai les deux, les 10 dernières œufs de termite là qu'il me faut. Je ne voulais pas faire ça parce que ben, je les ai toujours pas finis. Termitière, c'est palmeret ou termitière? Je dirais que c'est ça. Je dirais que c'est celui-là et il faut que j'aille dans cette direction là. What the fuck? Très bien. Bon, les babouins et tout, on va éviter, on s'en fiche. Les hyènes aussi. Vous étiez prévenu. Alors, normalement, il y a... Ok, c'est juste en bas, là-bas. On va y aller. On va faire ça. Voir ce qu'on obtient derrière. Et puis ensuite... Qu'est-ce qu'on voit là-bas comme île? Celle-là, vous pensez? Ou celle-là? Aïe! L'autruche sauvage. Porte ouverte. Porte ouverte de quoi? Ah, celle-là! Très bien. Donc on va explorer ce donjon. Oui. Et j'ai du mal à parler moi. C'est un truc de fou. Ici il indique un monstre qui est là. Il tank bien quand même. Là il y a un coffre. Serrure améliorée, donc ça c'est clairement prenable. D'ailleurs il me semble que je suis monté de niveau. Enfin logiquement je devrais être monté de niveau puisque. En rentrant la... Oh, même pas, c'est sérieux, là. Voilà, alors attendez, je vais voir à combien d'XP je suis. Il me manque moins de 100 d'XP. Enfin, non, 150, on va dire. 153 d'XP. Je
pense que dans deux monstres, hein, je les ai, clairement. Ok, là-bas, il y a un monstre. Serrure solide, on va se la faire. Hop, hop. Et voilà. Il faut attendre que ça fasse le tour complet. Très bien. On récupère tout. Est-ce que ça fait gagner de l'XP les coffres? Pas du tout. D'accord. Ça c'est des mini. Ah non, c'est des mots. Mon mauvais. Et là, ça, ils font gagner de l'XP? Ah oui. Enfin, très peu. J'étais à 47, là je suis à 96. On va pas drop parce qu'ils sont sur eux, parce que c'est inutile. Là il y a un monstre, on va le buter. Il y en a un là-haut. A mon avis, je vais tomber sur un coffre à un moment donné, je pense. Ah oui. On va se battre avec une épée, ça serait mieux. Serrure maître, j'ai pas envie de m'y coller. Ça va être trop long. S'il nous donne une clé, je suppose, pour ce donjon, c'est qu'il doit y avoir un petit coffre intéressant à la fin, non? Voilà. Hop. Hop. Chevalier de la mort qui arrive. On le tue. Ah là là, je suis monté de niveau. Donc, limite, on va peut-être pouvoir... peut-être pouvoir augmenter le crochetage une dernière fois, enfin une dernière fois, une nouvelle fois, et peut-être qu'après ça on pourra faire easy les coffres maîtres. Là il n'y a rien. Voyons voir la taille du donjon. Il n'est pas très grand, mais j'ai l'impression qu'il est sur plusieurs étages. Regardez, ce genre là je peux pas y aller, donc à mon avis ça doit être au-dessus. Oui, oui, parce qu'il y a un escalier là-bas, mais d'abord on va aller là, de ce côté. C'est quoi ça? C'est des squelettes. Voilà, très bien. Hop. Nous on est plus lent dans l'eau, j'ai l'impression. Vous savez, je m'étais jamais battu dans l'eau. Très bien, là il a essayé de mettre une auto, du coup il est mort. C'est le premier que j'avais tapé, je crois pas, je l'avais fini de tuer. Alors on va continuer, toujours pas de coffre pour le moment. Toujours pas de coffre. Toujours. Ah, c'est bien par là. Ici on a encore des squelettes. Voilà. Hop. Hop. Voilà, lui on l'avait bloqué contre le mur, du coup il est... On va dire en quelque sorte il est efficace. Très bien, lui il est mort. Et il n'y a toujours pas de coffre. On va juste prendre ce qu'ils ont sur eux. Quelques armes. C'est toujours utile. Ah, toujours utile. Pour les matériaux, je vous le répète, je vous le répète, je vous le répète. On va commencer vite fait à casser quelques trucs pour pas avoir à... Enfin, pour le faire maintenant, juste. Parce que maintenant je ne bague plus. On va changer son casque en même temps. On va casser là, du coup. On va casser toutes les petites épées que j'ai. Celle-là, elle fait pas plus de dégâts. Ouais, j'ai récupéré le joyau, ça c'est nickel. Ok. T'as un joyau de quoi? Un joyau de force plus 2, c'est pas dégueulasse. Est-ce que je peux l'équiper? Non, je ne peux pas l'équiper, non, je ne veux pas le casser et je ne peux pas non plus l'augmenter. Mais par contre, je vais m'occuper de mes niveaux et mes niveaux, c'est sur F1. Alors, dextérité moins 1. À mon avis, ça va être mon casque qui fait ça. Est-ce que je continue à augmenter la force? On va mettre 2 en là. Pour la capacité de notre inventaire. Et on va continuer à mettre en force. C'est vrai que j'avais dit peut-être que je pouvais commencer à augmenter les autres, mais je le fais pas. Et là j'ai 2 points de compétence. Là ça m'octroie accroître. Ça va bon, ça va m'augmenter d'une seconde et la chance. Donc c'est pas dégueulasse. Et
on avait gagné sa classe maximum d'amélioration des armes à coups de 1. Et moi, il faut que je fasse ça. Parce que bouclier, on s'en fiche, arc, on s'en fiche. Par contre, arme, c'est très important. Et du coup, comme j'ai fait l'arme, maintenant, je peux faire artisanat et l'augmenter une nouvelle fois. Est-ce que je peux l'augmenter encore? Non. Donc, il faudra que j'attende la prochaine fois. C'est quoi ça? Contre-attaque de résistance au poison. On va remettre force. Du coup, on a pas mal de points de dégâts sur l'arme. C'est pas dégueulasse. C'est vraiment pas affreux. On va revenir en arrière. Là, j'ai tourné à droite. J'étais pas monté en haut de l'escalier. En haut de l'escalier, il y a un chevalier. Tout ça, je one shot. Faut pas que je me perde. Je sais même plus où était l'entrée, où était la sortie. Enfin, l'entrée qui reste la sortie. Ici, il faut que j'aille de droite. Donc là, c'est là où j'étais passé, d'accord. Là j'y suis allé, j'avais pas vu le coffre ici. Serrure maître, est-ce qu'on le tente? Allez, c'est parti. Nice. Je l'ai eu. Ouais, voilà, il était pas trop compliqué, donc du coup j'ai réussi à l'avoir. Et je redrop un casque. 16 plus 2, c'est toujours plus nul que ce que j'ai. Le casque. Bah c'est exactement la même. Parce que c'est la couleur qui change. Préfère quelle couleur, vert ou rouge? Moi je préfère en vert. Donc, on va le garder en vert. On va supprimer ça. On va supprimer, on supprime pas, on classe. Ici, j'entends un bruit d'arme sortir. Voilà. Alors on va continuer. Là on redescend. Ici il n'y a rien. Là il y a des méchants. Là j'en ai tué un. Nice. J'ai pas trop compris comment ça marchait ça. Les dégâts, c'est pas grave. Mais toujours pas de coffre ou quoi. Ça se trouve il y avait juste rien en fait. Pas du stuff dans les coffres. Là, 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 là. Oh je l'ai, je l'ai. Yes. Clairement c'est... c'est rentable d'avoir augmenté ça. Enfin, on drop des trucs pas affreux. 20 plus 5, 20 plus 5, 20 plus 7, 20 plus 7. Hop, on enlève un ça pour équiper un ça. Les bijoux qui doivent sûrement augmenter la protection magie. Là, il y en a un coffre avec un monstre. Et je crois même que c'est la dernière salle. Ok. Avec le dernier coffre, je crois que j'ai tout fait. Alors, qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai une armure pour les mages, j'ai un gros shield, j'ai tout de magie, une pierre, augmente les paramètres de 50% et ferme l'équipement et 2000 euros. Quoi, ouais, à mon avis, c'était la dernière salle, j'ai pas de robes qu'il y a sur l'autre. Ici. Et oui. Et oui. Pour le moment j'ai tout ici. Et là j'ai des vieux marteaux de guerre brute. Très bien. Je pense que j'ai fait le tour. L'entrée étant... aucune idée. L'entrée étant pas là. Ça c'est déjà ouvert. C'est le squelette que j'ai battu. On va remonter. La porte doit être par là, je pense. Non, elle est là. Je pense que j'ai fait le tour de cet endroit. Au niveau de la quête, qu'est-ce que ça me dit? Il semble que cela soit Dathan, le maître de la guilde des mages, qui sait comment atteindre la tour. Donc là, c'est ce que je vais aller voir. Le trade, je l'ai tué. Et c'était Bayan, je crois. C'était pas dans Bayan? Non, ah oui, c'est vrai qu'on devait aller faire ça, mais on va pas le faire, je pense. Al-Sorna, ben voilà, c'est tout.
C'est tout ce que j'avais à faire apparemment. Donc on va se TP, on va revenir en ville, on va aller à la guilde des mages qui se trouve par là normalement. Si je me trompe pas, c'est juste Ian the Coward, on a vu qu'il n'y avait rien à faire. Atelier abandonné, ah merde. J'ai échoué, c'est ici qu'il faut que j'aille. Carrefour de la reine. Et ensuite, il faut que j'aille là-haut. On va aller voir le maître de la guilde des mages. Oui, c'est ça. On est à combien? Oh, on est déjà à 30 minutes. Bon, mais non, on va pas aller le voir. Je vais juste rentrer dans le bâtiment et je vais vous laisser sur ça. On va monter là-haut parce que je sais que le mec est là-haut. Et du coup, c'est vrai qu'au dernier épisode, je vous ai pas fait le topo, mais maintenant, je pense que vous le connaissez. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour... D'accord, j'ai activé un levier, mais je sais pas trop pourquoi. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner vos avis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer non plus. Enfin, allez-y, après. Likez la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça nous aide. Et c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. J'étais pas allé la dernière fois. Donc voilà, on va s'arrêter sur ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 21 et la troisième partie de cette semaine. Enfin, le troisième jour, on va appeler ça, voilà, le troisième jour. Voilà, c'est tout. Allez, ciao.